doigts jetés, une main serrée, un granit, et c'est parti! Exhibile tendrement tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors. En fait, c'est la suite d'une vidéo. Je viens de faire cette veste. Et pour la veste, j'ai fait des manches, des poches de travers. Vous voyez? Donc, pour faire la poche, en fait, j'ai fait un châle, comme un début de châle, tout en bride. Ça peut vous servir de châle, ça peut vous servir de poche, ça peut vous servir de tout ce qui est triangulaire fait en bride. Donc voilà, donc je fais un tuto supplémentaire parce que celles qui auront envie d'avoir de se faire un châle uniquement en bride, eh ben, pourront se faire un châle en bride. Celles qui voudront se faire une poche, elles se feront une poche. Et celles qui voudront faire ce qu'elles veulent en triangle, elles se feront ce qu'elles veulent en triangle. D'accord? Allez, c'est parti. La veste, elle s'appellera Trendy, si vous voulez avoir une idée. Trendy, pourquoi? Je n'ai pas été le chercher bien loin. Le fil, il s'appelle Maxi Trendy. C'est des énormes pelotes de 350 grammes. Je vous mets le lien en barre d'informations. Allez, c'est parti. Un crochet en 4,5. On va commencer par faire une petite chaînette de 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. On va venir faire dans la première maille 3 brides. Donc une première, une deuxième et une troisième. Ça nous donne l'équivalent de 4 brides. Ok? 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on refait pour que ce soit symétrique 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et voilà que nous avons quelque chose de symétrique. 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Allez, c'est parti. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient dans la même ici faire une bride supplémentaire. Maintenant, ici, nous avons 3 brides. Donc, on vient faire une bride dans chaque bride qu'on rencontre. Donc, 1, 2 et 3. Donc on considère que nous en avions 2 et 3 qui font 5. Là, dans l'espace, on va en faire 2 supplémentaires. Et 1 et 2. Donc ce qui fait 7. 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. 1, 2. 3 brides sur les 3 brides précédentes, donc 1, 2, 3, et là nous avions les 2 mailles en l'air, à l'intérieur on va venir faire 2 brides pour que ce soit équivalent à l'autre côté, d'accord? Donc, et 1 et 2. Voilà. Donc, comme ça, c'est équivalent. Et chaque fois, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez commencer par 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire une bride ici à l'intérieur. On considère qu'on en a 2, comme si nous en avions 2. On fait des brides dans chaque bride qu'on rencontre. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 2 brides à l'intérieur ici, 1 et 2, 2 mailles en l'air. Allez, 2 brides ici, 1, 2, et on repart
avec une, deux, trois, quatre, cinq, et ici une sixième. Et dans la dernière, vous en faites deux pour que ce soit équivalent à l'autre côté. D'accord? Allez, et de une, et de deux. Voilà. D'accord? Vous voyez, comme ça, c'est bien équivalent. Eh bien, on est reparti. On recommence exactement la même chose. Une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Une bride au même endroit. Et là, une bride dans chaque bride que vous rencontrez. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. À l'intérieur, ici, vous en faites deux, une, deux, deux mailles en l'air et vous refaites pareil, deux brides, une, deux, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Dans celle où il n'y en avait que 2, ici on en fait 2 supplémentaires pour être équivalent. Voilà. Et là, bah écoutez, vous allez faire la même chose de rang en rang. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Eh bien, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, des poches, par exemple, sur un ouvrage. Voilà, quand vous voulez avoir des poches qui... Hop, pardon, vous voyez pas, excusez-moi. Voilà, quand vous voulez faire des poches en biais, comme ça, mais tout simplement vous faites des poches, là vous revenez, vous faites bien évidemment des mailles serrées pour que ce soit propre. Vous pouvez prolonger votre châle et mettre des carrés de granit autour par exemple, ou faire des petits pompons autour. Voilà, c'est vraiment la base de la base du châle. Voilà, vous faites simplement ensuite une bride dans une bride. Dans la première maille, vous faites toujours vos deux mailles en l'air et votre bride. Dans la dernière, vous faites deux brides. Et dans le sommet, vous faites deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Et voilà, tout simplement. On est sur quelque chose d'hyper simple. L'important étant toujours que vous ayez le même nombre de mailles ici que l'autre côté. C'est tout ce qui est... C'est la seule prise de tête que vous puissiez avoir. Voilà. Eh bien, voici un châle pour débutantes. Après, vous pouvez faire du petit point écrevisse, vous pouvez faire des petits pompons, vous pouvez faire tellement, tellement, tellement de choses. Sur ce, j'espère que ce petit pas à pas hyper rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.